La maladie cardiaque chez la femme, c'est la première cause de mortalité sur l'ensemble de la population féminine mondiale. Et le problème, c'est que le diagnostic se fait sur des critères qui, à la base, ont été mis en place sur l'homme. À Los Angeles, je vais travailler sur les maladies cardiaques chez la femme et je vais utiliser les méthodologies que j'ai développées au cours de ma thèse pour mieux comprendre et trouver de meilleures méthodes pour diagnostiquer les maladies cardiaques chez la femme. Aujourd'hui, on est dans une ère où on considère vraiment la femme comme une physiologie à part. On la met plus dans le même package que les hommes. Et il y a quelque temps, on a mis les enfants à part des adultes. Et là, on arrive à se dire, oui, mais si les enfants sont différents des adultes, pourquoi les femmes ne seraient pas différentes des hommes?